Bon, je vais vous raconter mon aventure d'hier. Je vais vous raconter mon aventure d'hier. Déjà, ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va... Elle passe, tiens. Je déroule du câble. On va allumer ça. Salut Jonathan. Hey yo Jonathan, ça va? Pas de là finalement, j'ai eu des imprévus, rien de grave. Quand j'ai voulu mettre. Ok, il fait. Je, mesdames et messieurs, je vous présente le Recalbox RGB Jabba qui fonctionne direct. Est-ce que je commence à est-ce que je commence à le tenir, Jonathan? Est-ce que je commence à me rapprocher de ton doux timbre de voix? Donc voilà. Alors, mon aventure d'hier, je vous raconte ça. Hey yo, Jonathan! Comment ça va, copain? comme je vous le disais, donc le Recalbox RG Benjamin ne fonctionnait pas sur ma borne. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais clipper pour le. Pour. Je vais le clipper pour le. Pour faire un. Pour ceux qui ont le même problème. Donc, pour les gens qui ont une Blacity avec des problèmes pour lancer le Recalbox qui se met en veille dès le départ, donc qui ne démarre pas, vous êtes obligé de le lancer à la main en chantant la sécurité. Recaper votre alimentation. Franchement, ça m'a pris 2 heures, ça m'a coûté 50$ de condensateur. Donc en euros, ça va faire 25 balles. Parce que c'est des dollars canadiens. Recaper là, ça se démonte super facilement. C'est derrière, il y a 4 vis à enlever pour la démonter. Après, vous l'ouvrez. Plus de grade à la... Donc vous la démontez et vous avez à peu près une quarantaine de condensateurs à changer sur l'alimentation. Et profitez-en parce qu'avec dans le bloc d'alimentation vous avez l'ampli. Donc pendant que vous l'ouvrez, changez les deux. Sur l'alimentation, il y a deux condensateurs où vous allez pouvoir qui sont discontinués, mais vous avez des alternatifs. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Il y a des condensateurs autres. Le plus gros. Il est un peu plus large, mais en poussant un peu les condensateurs à côté, ça passe. Il fait 2 mm et 2 mm plus large, donc ça passe. Et c'est que des condensateurs comme vous aviez en technologie, donc qui traversent. Donc ça se change. Ouais, 2 heures de boulot. 2 heures de boulot. Nous, on l'a fait à deux. J'avais besoin d'une petite. Comment dire. Supervision. J'étais un peu l'appréhension de le faire. Mais donc ça se fait nickel et voilà, nickel. Je l'ai rebranché, premier coup ça démarre, ça va régler votre problème je pense à 80%. Maintenant j'ai réglé également, je vous ai fait une petite vidéo sur YouTube pour comment régler le monnayeur. Mais tout ça pour revenir à mon aventure d'hier. Donc via mon problème, donc j'avais besoin d'une petite supervision et je manquais de matériel, c'est-à-dire que j'ai un fer à souder mais j'ai une petite pompe à dessouder, là le truc de merde. Il faudrait que je m'achète une vraie pompe à dessouder, mais je soude pas assez pour acheter ça, donc j'avais besoin d'un petit coup de main là-dessus. J'ai fait quelques recherches. Je te remercie, Jonah. Série audio, bah ouais, bah il faut qu'on enregistre là, mais j'ai le nez pris cette semaine, donc c'est un peu compliqué pour enregistrer. Je vais repousser la semaine prochaine l'enregistrement, et puis j'ai la pièce de théâtre qui commence dans quelques semaines, donc je pense qu'on va risquer de pousser un petit peu. Bref. Je contacte une boutique pour dire voilà, moi je veux faire recaper mon alim. Je me suis dit que si j'achetais le pistolet dessoudé, ça allait me coûter 150 balles. Si je le fais faire par une boîte, ça allait m'en coûter 200. Donc je me dis allez, je vais essayer de le faire faire par quelqu'un.
Il me dit non, moi je le fais pas, je suis spécialiste en machine à boules, donc en flipper. Il me dit, par contre, contacte tel forum ou telle personne. Oui, je fais du théâtre. Je m'inscris sur le MACA, donc c'est amateur de restauration, de machine à boules et de bornes d'arcade, qui a un forum. C'était cool de retrouver un forum, mais qui n'a voilà, qui a plus. Dernier post était pas tout jeune, les postes qui avaient plus bougé étaient genre 2019. J'y allais. Go. Hein, je me dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Hop. Vous savez ce qu'il m'a dit? Voilà. Il m'a dit va en cours. Enfin, pas encore. Pas encore. Je poste, je suis là. Je poste, je. Je mets un post et puis voilà. Et puis là, j'ai Phil. Phil qui me répond et qui me dit écoute, moi je connais, il n'y a pas de souci, je t'aide. Je fais écoute, il me dit qu'est-ce que tu veux, soit tu me la déposes et je te le fais, soit tu restes avec moi, on le fait ensemble et puis on fait quelques parties. Écoute, pourquoi pas, hein, je me suis dit. Et attendez, j'ai retrouvé la photo. J'en ai fait une autre, mais j'ai retrouvé la photo. Et voilà. Et il me poste une photo. Alors, attendez. Le mec, il me poste une photo. Et il me poste ça. Voilà. Le mec, il me poste ça. Là, je suis dit, c'est pas possible, c'est un montage. C'est pas chez lui, c'est genre juste une signature. Et voilà, il me poste ça. Et j'ai fait Bon Batman à tout à l'heure, Dr. Jones. Donc ouais, il me poste ça. Il dit écoute, rendez-vous. Il m'envoie le lien d'Arcade Otaku qui est un wiki avec tous les éléments, tous les condensateurs pour remplacer ceux de la borne. Je commande tout ça. Et rendez-vous samedi, donc samedi matin je me lève et j'y vais. Je donne l'adresse. Donc je donne l'adresse quand même à ma femme parce que à tout moment je me réveille dans une baignoire avec un rein en moi. Parce que voilà. Donc je prends la route, une petite demi-heure de route, pas très loin. Puis je commence à partir un peu dans la campagne. Bon, arrivé dans le quartier, j'ai été rassuré parce que c'est un très joli quartier avec des jolies maisons. Tape à la porte et en effet, donc Phil m'a accueilli avec. Alors, attendez. Ça c'est juste un mur de son sous-sol. Il y a des portes de partout. Le mec il a avant une trentaine de bornes, il a 10 flippers. Parce qu'au début il monte son atelier, je fais oh, il y a des CRT dans tous les sens, des condos, des étagères, c'est trop bien. Il dit non mais ça c'est l'atelier, attends je te montre la salle de jeu. Le mec il a une borne de DDR, de Dance Dance Revolution, 2 joueurs. C'est un truc qui est gigantesque, il prend une place de fou. C'est trop bien. Et donc on a changé les condensateurs ensemble, on a tout réparé et c'était reparti. Et puis après on s'est fait, il est très versus fighting, donc on s'est fait un peu d'Alpha 2, on s'est fait du Killer Instinct sur 360 avec une de ses bornes modernes là. Voilà, plutôt cool. Je lui ai, salut Shekbawa, je lui ai présenté le RGB Jabba. Alors, lui, il a que des PCB original, etc. Mais je lui ai montré un peu le RGB Jabba parce qu'il est très déçu par le Mister. Et je comprends, le Mister c'est très très pompeux, très compliqué et tout. Alors que le RGB Jabba, tu branches, ça marche. Et il a été plutôt. Alors cette borne, je la laisse parler d'elle-même. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai allumé, ça marche. C'est pas beau ça? D'ailleurs, si ceux qui ont une borne et qui veulent une distrib avec bien complète avec tout l'arcade, envoyez-moi un petit MP. Je vous pousse un lien. Et donc voilà, passer. Ouais.
Et bah, en plus, donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mon recap avec Phil, vraiment une super rencontre. Et en plus, donc il fait partie du Nasos, je crois, avec tout un tas de fans d'arcade et de machines à boules. J'y arriverai jamais, la machine à boules, hein, excusez-moi, mais j'y m'y ferai jamais. Donc il fait partie, et puis une fois par mois ou autre comme ça, il faut une soirée chez quelqu'un, soirée borne chez quelqu'un, et bah, il m'a dit bah, la prochaine je t'invite. Et bah, c'est vraiment cool quoi, parce que le truc qui manque le plus, c'est de pouvoir jouer avec des gens sur la borne. Et malheureusement, bah, avec le boom du Covid, moi en plus ayant déménagé, puis le boom du online, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le plus fun d'une borne, en plus d'une borne de joueurs, c'est de se mettre des coups de coude, de se chambrer, de voilà, c'est ce qui est fun. Mais voilà, donc aujourd'hui, donc j'ai fait une belle rencontre, et puis j'ai la borne qui est repartie comme l'an 40, c'est vraiment cool.